Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une nouvelle vidéo, nouvelle de tout le monde, hashtag 3. Donc voilà, et dans les nouvelles de tout le monde, donc maintenant j'ai déclaré que... Enfin déclaré, j'ai dit que dans les nouvelles de tout le monde, il y aura les projets du mois prochain, ou de la semaine prochaine, ou des quelques... Enfin les projets en fait. Donc voilà, donc du coup, ce qui me permettra de pas dire tout le temps, donc voilà, mes animaux vont bien et tout, et tu iras tout le temps répéter la même chose. Donc voilà. Donc là, voilà. C'est dit pour ça. Donc après, je vous demanderai aussi de vos... J'en ai dans la volière. De vos conseils pour 2-3 choses. Donc voilà. Après, on vous demandera... plusieurs choses, donc voilà, là notamment, bah là je suis rentré dans la volière, vous voyez, là faut que je redresse encore le grillage, tout. Mais il y a le coq vient d'être qui est toujours pas parti, donc voilà. Et des canards, voilà, canards colvert et mâle colvert, donc voilà. Donc là ils sont bagués et je crois ils sont vaccinés, donc du coup, bah donc, je vais pas vous dire, je vous le dirai dans une lors d'une prochaine vidéo. Normalement, eux, j'expose. Et je vous avais déjà parlé d'un autre couple de canards que j'allais acheter. Et bah c'est fait, il faut que j'aille les chercher encore. Donc pour ceux qui le savent peut-être, dites-le pas dans les commentaires surtout. C'est une surprise. Hein. Donc voilà. Donc ils seront exposés à toutes les foires que je peux. Les canards, là les deux. Et l'autre couple, bah, que vous verrez. Donc voilà, dites-moi ce que je pourrais faire pour aménager. Donc ce que les canards aimeraient bien, donc je vais vous faire voir une vue d'ensemble. Je vais traverser le bassin. Oh, j'ai glissé. Donc voilà, une vue d'ensemble, donc ça fait ça. Là il y a la mare avec un toboggan, dites-moi ce que je pourrais améliorer. Donc, ça fait ça, je vais retraverser. Et voilà, par là, regardez, là il y a le mangeoir. Mais je leur donne pas à manger pour l'instant. Là il y a une planche, là il y a la poubelle, parce que du coup je l'ai mis là pour leur donner à manger aussi l'autre jour. Et de là, donc voilà, dites-moi ce que je fais. De toute façon, tout ça, ça va s'enlever, mais voilà. Donc, dites-moi ce que je pourrais améliorer. J'écoute du bruit, en fait. Donc, voilà, dites-moi ce que... Donc, pour vous donner un indice, si vous voulez essayer de trouver. L'indice, c'est... Donc, c'est qu'ils vont être dans la volière, déjà. Donc, ça va être des canards sauvages. Donc voilà, je vous laisse une coupure et puis je vous laisse. Donc voilà, donc c'est que j'arrive pas trop à fermer la porte de la volière. Donc après, bon, là c'est un peu le bordel en ce moment parce qu'on est en train de faire les travaux comme j'avais déjà dit dans des précédentes vidéos. Donc là, c'est les roues de grillage et tout vont tout partir là, mais j'attends de récupérer la benne derrière, la remorque derrière le tracteur. Une petite tracteur tondeuse pour que du coup bah. Je puisse enlever toutes les crasses et ramener de la terre pour faire les dunes. Donc aussi là pareil, bah, tout le monde va bien. Je vais vous faire un tour de tout le monde d'ailleurs avant de vous dire les choses. Excusez-moi. Donc voilà, là on a le couple de canards mandarins qui... canards rouen. Des poupondeuses. Donc là on a la poule avec son poussin, oui. Je vais allumer juste la lumière. Voilà. Ici on a le coq vient d'être. Et ici on a bah, la poule ils sont là. Voilà. Ils sont là. Ça, hop, je vais en mettre dessus. Voilà, la poule est très jolie. Et le petit poussin. Donc voilà, qui est là. Donc il a. Il sort, donc il passe à travers les mailles là. Il sort, le petit coquin. Donc voilà. On va remettre avec sa mère. Quand même. Hop là. Ça, c'est de la courgette que je leur donne. Donc. Il vise beau là. Donc voilà. On va créer normalement une chaîne à plusieurs, je pense. On verra bien comment on va faire. Parce que je pensais faire une chaîne, mais. Il est où? Ah bon. Donc là, il y a ma Jojo, mon coq vient d'up. La poule rousse, des poupondeuses, mes trois oies et tout, donc tout le monde va bien. Sauf une nouvelle que je vais vous dire. Je peux pas aller les voir aujourd'hui, tout de suite là, parce que je peux pas.
parce qu'ils sont chez moi, mais bon, je peux pas parce que c'est occupé. J'ai deux poussins qui sont morts sous la l'éleveuse. Donc le noir, le caillouté, enfin celui que je disais caillouté, et le jaune. Donc voilà, ils sont morts tous les deux. Donc je sais pourquoi, c'est que j'ai oublié de rallumer la lampe chauffante. Donc voilà, c'est des erreurs un peu de débutant. Donc voilà. Donc un truc que je voulais vous dire, pour les 50 abonnés, je vous fais gagner peut-être un couple de poules. Ça, c'est des projets. Hein, comme je vous dis. Un couple de poules. Pour les 100, un couple de canards. Et pour les... Non, je vais faire comme ça. Je vais faire de 50 en 50. Moi, je vais pas faire pour les 0. Mais... Pour les 50 abonnés, je vous fais gagner, si j'ai un couple de pigeons, je vous fais gagner, enfin si j'en ai plusieurs, je vous fais gagner un couple de pigeons. Si pour les 100 abonnés, ce que j'aurai, vous aurez le choix entre bah, les nouveaux canards qu'il y aura, les canards qui sont là, donc du coup, donc c'est les Rouen, entre les Rouen, les Colverts et les nouveaux. Plus d'autres parce que il y aura une petite surprise. Normalement, je vais à la ferme de Beaumont. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, allez taper sur Google ferme de Beaumont, c'est la première truc. Donc, les animaux sont un peu chers, mais bon, j'ai déjà commandé là-bas. J'ai pas très été satisfait, mais je pense que j'ai mal fait, je sais pourquoi. Donc, voilà. Donc, je vais racheter des animaux là-bas, des animaux et du matériel. Donc, je vais vous en parler tout à l'heure de ce que j'ai acheté. Donc, voilà. Donc, peut-être encore des nouveaux. Donc je vais vous le dire parce que de toute façon je ferai une vidéo dessus. Ce que je risque de ramener à la ferme de Mont, c'est des cercelles à collier. Un couple de cercelles à collier, un couple de corail indien aussi, donc voilà. Et d'autres, mais je vous dis pas. Donc après pour les. Donc j'étais pour les 100 abonnés, un couple de canards. Pour les 150, un couple de poules, on va dire. Et pour les 200, un couple d'or. Donc voilà. Et après, bah, pour les 300, pour les 250, je sais pas. On va dire que quand on arrive à 100, on va faire des grosses choses. Et après, pour les 150 ou 200 ou 350, 250, 150 ou 250 ou 360, c'est un couple de poules. Donc voilà. Comme ça, ça me fera moins investir. Enfin, moins dépenser et tout. Et puis... voilà, en selon ce que j'aurai comme poussin, donc voilà, je ferai des concours. Normalement, hein, c'est pas dit, c'est encore un projet. Donc après, au niveau de matériel que je veux acheter sur la ferme de Beaumont. Donc voilà, je vais vous dire, en fait, vous savez, je vais mettre un chalet tous. Vous savez tous, je vais agrandir mon poulailler, enfin, il va rester comme ça, mais du coup, je vais le changer. Là-bas, il y aura une volière. Et je me disais, pourquoi pas, en fait, tout grillager mon poulailler au-dessus. Sauf qu'après, je me suis dit, mais mince, il y a cet arbre là. Lui là. Vous regardez, et puis il pousse tous les ans. Et du coup, ça m'a saoulé. Et du coup, je me suis dit, après, ça voulait vous dire, me dire si vous êtes d'accord. Enfin, moi, après, faut que je t'en parle à mes parents et tout. Et de là, à ce poteau en face, que je clôture tout en fait de grillage. Comme ça me permet de mettre tous mes oies et mes canards là, sauvages ou pas sauvages. Et là-bas, dans la volière, mettre mes canards de reproduction. Donc voilà, vous ferez. Je vous ferai voir peut-être. Donc voilà, faut me dire avant que j'aille à la ferme de Beaumont. Mais là, il y a le temps. Il y a le temps. Donc après, là, il y a eu de l'eau jusqu'à là. L'eau est montée jusqu'à là, à peu près. Donc là. Donc regardez, jusqu'à la motte, là. Donc ça faisait une bonne couche d'eau. Ça en restait encore un peu. Vous voyez, faut que je recreuse limite encore un peu. Parce que c'est pas égal partout. Il y a de l'eau jusqu'à là, donc ça commence à y aller. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis si ce n'est pas déjà fait, et puis allez vous abonner à la chaîne Télessa, le simulateur allié, le simulateur Beaumont, bah parce que c'est mon ami et j'aimerais bien qu'il monte à un peu plus d'abonnés. Donc voilà, on fera certainement des vidéos ensemble. Donc lui, je sais qu'il voulait un couple de canards. Donc voilà, on verra. Donc si je lui donne un couple de canards, vous aurez tout le temps des informations.
Bien sûr, de toute façon, tous les poules que je lui donnerai et tout, vous avez toujours des informations. Donc, j'en ai déjà donné, donc vous aurez d'autres informations dessus. J'ai vu ma poule noire là qui était là. Donc voilà. Sinon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, puis à partager. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!